Bonjour, bonjour tout le monde, sentimental. Allez, c'est parti, message carte. La personne de votre cœur, votre lien au milieu et vous à droite. Je tiens à vous remercier pour toute votre présence, participation sur la chaîne. Merci, 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 merci pour tout. Toute votre participation, peu importe quelle qu'elle soit. J'espère que vous vous portez tous bien. Allez, c'est parti, on y va. Sentimental, donc la personne de votre cœur à gauche, votre lien au milieu et vous à droite. On va voir tout ce que je peux partager avec vous. Alors, la personne de votre cœur, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Alors, la personne de votre cœur, vous, votre lien, on va voir tout ce que je peux partager avec vous. Ok, alors. Ici. La personne de votre cœur, il y a des choses dans son travail qui vont évoluer, peu importe la personne où elle en est dans son travail, il y a des choses qui vont évoluer dans son travail. Donc du coup, ça va en découler sur le financier, sur le bancaire. Il y a des choses, de très jolies choses qui vont se libérer hein, pour la personne de votre cœur. Hein. Voilà. Ensuite, vous, il y a quelque chose qui va se libérer, qui va vous faire évoluer aussi professionnellement. Vous êtes peut-être en effet miroir. Il y a quelque chose qui va se libérer à vous, pro, financier, bancaire. Actuellement, la personne de votre cœur peut être déprimée sans vous, liée aussi à son travail. On déprime. Il y a des choses qui vont signer. Ça peut être un CDD. Ça peut être une rentrée financière si cette personne est à son compte. Alors pour vous aussi, il va y avoir une signature aussi, ça peut être la signature d'un contrat. Vous, alors attendez-vous à l'inattendu, il y a quelque chose qui se libère, vous allez signer quelque chose. Donc ça peut être soit la personne de votre cœur, soit vous, soit les deux, parce qu'en fait c'est sur le lien. Donc il peut y avoir des choses qui se signent. Du financier qui va être, qui va s'améliorer peut-être d'un seul coup. Beaucoup de financiers qui peuvent arriver à vous, qui vont vous libérer, vous. Et ça apporterait aussi du soutien à la personne de votre cœur. La personne de votre cœur peut être déprimée. Mais elle va sortir le financier qui va arriver soit par elle, soit pour vous, soit pour les deux. En fait, ça va vous faire sortir de la déprime. La personne de votre cœur peut être en surmenage. Sur le lien ensemble, vous allez avoir des habitudes saines. Ça va être sain aussi dans votre professionnel. Vous allez évoluer. Vous allez aider l'un et l'autre à évoluer en fait. Voilà, vous porterez des conseils. Vous serez présents l'un pour l'autre dans le professionnel. Vous apporterez des conseils. Vous serez... Vous ferez preuve voilà, de bons conseils. Vous aiderez l'un et l'autre, en fait, à ce que la personne soit dans la réussite. Vous, il y a quelque chose qui se libère pro-financier, ça va être inattendu, ça va vous faire réussir aussi avec la personne de votre cœur. La personne de votre cœur va tourner une page sur sa déprime, sur son surmenage, peut-être qu'elle a eu dans son professionnel, c'est possible. Il y a un nouveau projet qui va naître entre vous, dans des habitudes saines, ça peut être un engagement. Vous, il y a deux, il peut y avoir deux libérations. Tout se réchauffe sur la situation de la personne de votre cœur. Peut-être sur tourner la page, la tourner la page. Alors ça peut être tout type de page, quel qu'il soit. Et en fait, ça peut être signer peut-être le nouveau projet, ça peut être un déménagement ensemble. Et la personne et ça va se réchauffer. Faut pas que la personne de votre cœur s'inquiète. Même si actuellement peut-être sa situation est glacée, vous elle ne l'est pas. Donc ça va se déglacer. Et après la personne de votre cœur, ça va se réchauffer aussi. Pour moi, c'est vous en premier que ça se réchauffe et après ça sera la personne de votre cœur. Voilà.
Et il pourra même y avoir quelque chose d'inattendu, un voyage qui va réussir entre vous. Voilà, ça peut être un séjour, ça peut être un week-end. Vous allez réussir quelque chose. Allez, je partage ici. Alors, je peux avoir pour dans votre sentimental, c'est du général. Je peux avoir une fin. Une fin. Une fin qui va être bloquante pour tout le toxique. Là, vous êtes peut-être dans une fin. Il va y avoir une fin. Une fin peut-être dans le toxique. Une fin qui va être bloquante pour tout le toxique pour moi. Le toxique, il y a une fin. Là, il y a une fin qui va être bloquante pour le toxique. Et vous, dans la foulée, dans la foulée, dans la foulée d'un rapprochement, d'un rapprochement. Dans la foulée, juste après cette fin qui va bloquer tout le toxique, dans la foulée, un rapprochement. Il va y avoir un rapprochement très très vite, très très rapproché. Alors ça va être chamboulant de bien vous y préparer, mais dans la foulée, en fait, il va y avoir un rapprochement. Un rapprochement qui va être possible, qui va s'ouvrir dans la foulée une fois qu'il y aura eu une fin très bloquante pour tout le toxique de votre situation. Dans la foulée, je peux avoir un rapprochement qui va être possible. Un rapprochement pour moi avec la personne de votre cœur. Et pour moi, vous allez vous retrouver dans le lieu. Dans le lieu. Dans le lieu où vous vous êtes rencontrés pour la première fois. Les retrouvailles. Les retrouvailles vont se faire là-bas pour moi. Il y a des choses qui vont s'ouvrir comme cela pour vos retrouvailles. Alors, ces retrouvailles vont vraiment s'ouvrir pas, s'ouvrir autant l'un que l'autre. Pour vous et la personne de votre cœur, faut vraiment pas que vous vous mettiez en stress, hein. Il faut que ça soit sans stress. Ça va être sans stress. Bon, vous allez vous en mettre forcément. Mais vraiment, ça va être sans stress. Hein. Les retrouvailles vont être sans stress. Vous allez. Ça sera vraiment sans stress. Vous allez re vous retrouver. Peut-être dans ce lieu, ça apportera moins de stress pour l'un et pour l'autre. Peut-être aussi parce que c'est quelque chose qui vous a marqué et c'est que vous devez revivre des retrouvailles là-bas. Voilà. C'est que vous devez revivre des retrouvailles là-bas. Et ça sera sans stress. C'est peut-être le lieu en fait où vous vous sentirez le moins stressé en fait, peut-être. Autant l'un que l'autre, c'est peut-être quelque chose qui va vous permettre de vous, voilà, de vous calmer, de vous détendre et parce que c'est pas rien. Mais ça va être sans stress et vous allez dans les retrouvailles, vous allez vous serrer très très fort, hein.
Vous allez vous serrer très très fort dans vos bras. Ça, c'est très 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 important que vous puissiez vous serrer très très fort dans vos bras. Ensuite, vous allez discuter aussi. Il y aura des discussions. Vous allez discuter et puis au fil des discussions, vous allez parler peut-être aussi de solutions. Et en tout cas, il y a des solutions qui vont pouvoir... dans les discussions, il y a des solutions qui vont pouvoir... des solutions XXL. XXL. Ce sera pour vos rêves. Pour vos rêves. Pour vos rêves, ça peut être aussi lié peut-être à un nouveau lieu de vie. Voilà. Vous en discuterez, mais ça sera au fil des discussions et de ne pas vous mettre la pression. De ne pas vous mettre la pression, c'est pas de stress. Ça sera quelque chose de très simple aussi. Vos retrouvailles dans des choses très simples. Très simples, mais qui vous marquent. Vous allez discuter, il y aura des solutions au fil des discussions. Voilà, vous allez parler un petit peu de vos rêves, de peut-être d'un nouveau lieu de vie, soit pour l'un, soit pour l'autre, soit pour les deux. Et puis, il y a des solutions qui se trouveront. Voilà. Mais avant, vous allez vous serrer très très fort dans vos bras. Hein. Alors, attendez-vous à l'inattendu. Hein. Pour moi, ça va être avant là. C'est avant la fin de l'hiver. Hein. Avant la fin du mois de mars. Retrouvailles dans la simplicité, sans stress, mais vous allez être complètement, il va y avoir un coup de foudre, hein. Mais avec un coup de foudre aussi, hein. Peut-être que vous allez revivre un coup de foudre, peut-être un coup de foudre que vous devez revivre dans ce lieu et pas autre part, voilà, en tout cas, vous allez, si vous avez des soucis, soit l'un, soit l'autre, soit les deux sur... vos situations respectives, vous allez réussir. Vous avez un succès avant la fin de l'hiver. Vous voyez, il y a une fin. Il y a un gel. Durant l'hiver, il y a un gel des problèmes que vous pouvez rencontrer. Donc là, si c'est lié à un déménagement financier, déménagement, etc., etc., changement de lieu de vie, il va y avoir un gel des problèmes et vous allez réussir. Vous allez réussir vos rêves. Voilà. Waouh! Vous allez être chamboulé, vous allez être ému. Ça va être intense, mais ouais. Bon. Allez. Je vous souhaite une merveilleuse journée. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur la vidéo. J'adore vous lire. À vous abonner si c'est toujours pas fait, que vous désirez le faire. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt. Très belle journée.